D'Irine en Vallée, Latibonitlan, coordonnateur Caravane Changement, ancien ministre Thomas Jacques, qui était gain à Cli, directeur général ministère Agriculture, à Branly Eugène, lancé Madi Simasla, combite dans la localité Kova, deuxième section communale Verette, programme ça rentré dans le cadre Caravane Changement. Au chambre député a honoré plusieurs femmes avec sélection féminine U20 dans l'occasion journée internationale FOMIO. Chambre député a promettre 1,5 million goudes pour sélection 1 action smartphone pour chaque joueuse. Commission spéciale chambre député a sous amendement constitution 1 Chita Palais mercredi 7 mars là. Avec plusieurs organisations d'Ouamoun qui travaillent sous passé main et qui stade fête dans le moment loi pays. Direction générale police nationale d'Haïti baillon délai 15 jours pour tout policier qui démissionnait et qui pas actif à tout cela qui abandonnait Postio pour remettre ZAM la police là, d'après porte-parole PNH là, Franz Lerbourg. Après date ça, DGPNH là a publié Noyo et puis prend l'autre mesure contre. L'autre point dans le journal là, quinzaine francophonie hein, lancée jeudi à Port-au-Prince en présence quelques ambassadeurs pays qui parlaient français, divers thèmes qui ont rapport à l'intérêt général pays francophonie à débattre pendant quinzaine francophonie hein, d'après ministre Affaires étrangères Antonio Rodriguez. Directeur général de la Télévision nationale d'Haïti, Gamal Jules Augustin, Chita Palais mercredi 7 mars là, différents opérateurs. Cap vendre service télévision par cab, qualité image qui rive et joint téléspectatrice à téléspectateurs, ténamitant. Qualité à Lord Bodlow, président américain Donald Trump, dit lui paraît pour dialoguer avec Pyongyang. Yon Lord Bo, président Trump, s'allie à l'organisation soumet entre des Coréens. C'est point ça, à un pilote, nous allons le développer pour vous, redébrancher Napoula. Bienvenue dans le développement journal là. J'ai noté annoncé le Titio, coordonnateur Caravane Changement, ancien ministre Thomas Jacques, accompagné directeur général ministère Agriculture, Branly Eugène, lancé mardi 6 mars là, yon combite dans la localité Kova, deuxième section communale Verette. Programme ça qui rentrait dans le cadre Caravane Changement, visé renforcer production d'irée dans la vallée Latibonite. Dans l'occasion, agriculteur et plantain dans la vallée a exprimé contentement pour projet ça. En suivant un reportage avec Richardson Jourdan et André Chèvre. Il y a plusieurs agriculteurs, plantain, acpel, bourrette, piqua, qui regroupent dans 12 blocs de production et puis qui associent une coopérative qui participent dans le combat de ça. À travers Kombitsa, à part gros canal, yo responsable de compter nettoyer, planter et agriculteur a bien pour faire canal secondaire et tertiaire. Ça qui va aider à augmenter la production d'huile dans la vallée. Agriculteurs, yo, yo jouent appui l'État et appui ça permettre que, un, yo utilise les équipements, deux, un pile moun met ensemble, yo travaille. Donc, bloc de production, ça, son bloc de production de 500 hectares de terre. Et qui pourra le permettre que, eh bien, à partir de mois de mars, avril, là, eh bien, toute zone, ça pourra le planter en durée. Et c'est organisé, c'est ça qu'a Van APC fait, organiser planteurs en coopérative et puis l'État porter appui parle pour être capable d'augmenter la production. Pour augmenter la production, il faut maîtriser les moyens de production, les facteurs de production. Nous, au niveau en bloc, il y a un nombre qui est important comme être fondamental. Surtout dans la question du riz, c'est la gestion de l'eau. Ou pas qu'à produire du riz sans parler de l'eau. Donc, mais de l'eau à tout, les cas diminuer et même annuler le rendement. Ça veut dire, facteur de l'eau important, mais il faut maîtriser. L'eau maîtriser, il faut qu'un canal irrigation en condition de fonctionnement. Faire autour en condition de fonctionnement. Aménagement physique et espace bloc production, construction route agricole et puis réhabilitation infrastructure irrigation et drainage pour faciliter transport produits agricoles, c'est quelques parmi travail qui a été fait dans le cadre
combite là. Si vraiment on pas nous pas gain assez d'eau qui rentre, nous pas gérer situation ça, ou capable gain semences engrais mais production pas très faible. Jodi a nous réunir c'est nos optiques ça parce que même là nous même nous capable faire grand travail pour nous capable nettoyer et canopie canal primaire yo, mais là nous gain secondaire avec tertiaire si nous pas nettoyer yo, nous même n'a toujours gain limitation pour de l'eau arriver jeune cultivateur. C'est un bail que m'ta pensé évaluer comment ça t'est qu'on fait dans le passé. Et finalement on dit que même organisation tant coupam qu'on réunit tout moun yo, yo fait un combat et puis moun yo nettoyer et puis yo fait manger bah ça pour tout moun yo vini pour yo même yo prend responsabilité pour que yo aider yo dans secondaire avec tertiaire. Et ben c'est initiative ça qui te prend matin dans combat que n'a fait là pour que nous te vini avec yon bloc de production parce que nous gain au nombre de 12. Mais ça il montre nous vraiment que si nous réunissons des coopératives pour nous capables de montrer l'esprit de travail ensemble et puis l'État pour accompagnement, nous sommes arrivés à aboutir à résultats que nous anticipons pour nous capables, non seulement dans les premières années, mais vraiment dans 4 ans qui étaient nous là. Président coopératif, bloc 6, dans la localité Kova, deuxième section communale Verret, Rosemont, Pinard. Expliquer l'importance du travail ça pour aller gagner pour planter la agriculture zone là. Avancer, n'avancer. C'est la première journée ça, puis nous continuons à marcher plus devant. Objectif ça pour comme si nous avons productivité paysan qui a augmenté. Par exemple, si drain en coulé, tu as séché après soit toute vie d'eau, donc du n'a sorti en forme. 500 hectares, c'est quantité de terre responsable visé dans quatre batailles à faire pour augmenter la production d'huile dans la vallée avant fin mandat président de la République, Jovenel Moïse. Même combien ça pour aller réaliser dans notre département en dans pays là selon responsable. L'autre nouvelle ministre affaires étrangères Antonio Rodrigue pour éclaircissement sur situation haïtien qui à Chili à vivre dans l'aéroport chilien. D'après ministre Lang, moun qui en difficulté yo, c'est série moun qui pas rempli conditions légales pour entrer Chili. Moun sa yo pas de gain aucun parent ni ami pour aller chercher yo. Il n'y a pas de faire aucune réservation hôtel devant la situation. Ça, ambassade haïtienne en Chili qui fait intervention pour calmer la situation. En suivant extrait, dans le micro, Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. Aussitôt informé de ce problème, ça, notre chargé d'affaires au Chili est tout de suite rendu à l'aéroport. J'ai l'impression que vous voulez parler de haïtiens qui sont bloqués dans l'aéroport Chili. Lui-même avec une équipe de l'ambassade, nous étions rendus dans l'aéroport pour cette situation. Le problème qui posait, c'est que en pile mon apathie, mais parce que dit Chili n'a pas besoin de visa pour rentrer là-dedans, là, il n'a pas besoin de visa, ils pensaient que c'est HCBR aller. Mais même là où pas besoin de visa, l'arrivé dans le pays, l'officier immigration gagne pour certains que pour répondre à critères pour rentrer dans le pays. Donc c'est ainsi que gagne bagage mandé au faut gagne billet aller-retour faut gagne l'argent de poche parce que pas oublier haïtien leur aller dire pour aller touriste c'est pas gagne une qui dit aller aller pour aller dire pour aller touriste donc faut gagne billet aller-retour faut gagne code pour aller si c'est dans hôtel pour aller si c'est car un monde pour aller si c'est un monde qui veut inviter faut gagne une lettre d'invitation et ça passé c'est dans semaine là grand pile monde qui dit bon monde qui veut inviter leur les caïmes monde là soit pas jeune monde il pas jeune personne ou soit monde dit pas contre monde ça à ce moment là donc il pas qu'à accepter gain ça qui dit yo venir pour aller étudier leur demander pour cap bail et l'aide d'admission dans l'université yo pas gain donc ça vient poser un problème nous penser que yo a rentrer priorité donc mais comme jour ambassade là et tout de suite et question en main, li rendre chargé d'affaires avec l'équipe de l'ambassade, te rendre dans l'aéroport, li parler avec l'officier immigration, avec toute autorité. Yo. C'est à ce moment-là qu'on a un problème. Là. Donc, mon nom là-bas, je suis toujours les jeudi à retourner. Je ne sais pas si vous arrivez déjà, mais vous laissez Santiago déjà, que vous retournez. Il y a un problème et l'ambassade est intervenu auprès de l'île aérienne. Pour être capable de faire des gens manger, parce que tu as complaint que tu n'as pas besoin de manger, tu n'as pas manger. Ça, il y a besoin, c'est du besoin, tu es satisfait, mais tu comprends
dans la situation où en dans l'aéroport ou pas qu'il y a tout ça le besoin. Parce que pas oublier, l'heure où pas quitter rentrer, c'est du ou pas dans la zone côté, monde qui vient ouvrir ou vient pas laver. Parce que dans la zone internationale, avant de passer l'immigration. Donc là, il est très difficile et c'est pas tout le monde qui est rentré. Tu as même un mouvement qui est fait côté des Haïtiens, tu as laissé venir pour aller déo, pour bailler ou manger. Mais malheureusement, comme du que y a une zone qui dehors immigration, de l'autre côté de l'immigration, il n'y a pas qu'à permettre d'entrer. Donc, ambassade là, sous question, on a suivi. On y a un message, m'a profité pour me lancer à tout le monde qui pourrait aller au Chili. C'est demander que faut gagner tout papier, tout ça au besoin en forme. Mon a venu passeport des fois, gain gratuit la donne, c'est ça, il dit nous. Des fois, il arrivé. Yo pa gen tout ça au besoin, yo gen ça qu'on vient avec l'aide de travail. Là regardez l'aide de travail ou pas valable, il pas bon, c'est faux. C'est des faux que yo y est. Donc tout ça veut faire que yo pas permettre d'entrer. N'a prend direction au Parlement haïtien, bureau chambre député a ensemble avec commission femme et équité gens organisé mercredi 7 mars là une cérémonie pour honorer plusieurs femmes dans l'occasion 8 mars cap marqué 41e anniversaire journée internationale mesdames yo dans l'occasion bureau à commission honoré sélection féminine U20 chambre député a promet 1.5 million gourdes pour sélection avec un smartphone pour chaque joueuse yo. Président chambre député Gary Baudot encourager Famio continuer travail pour joindre Placio. Un extrait dans micro Fedna confident avec Danius Théodore. Chambre député Anessa a voulu organiser journée réflexion ça dans journée internationale droit femme pour nous poser problématique droit monde en général. Donc c'est important pour nous tous pour être honoré des monde nous penser qui c'est des travailleurs de la presse qui toujours accompagnent nous dans le parlement peut-être. Bon, liste était cas exhaustive, mais la commission a choisi deux personnes pour les honorer. Donc, nous félicitons pour le marque de distinction que vous jouez au niveau du Parlement. Mais nous-mêmes, tout, bon côté par nous, au niveau du Parlement, nous voulons pour nous travailler avec la fédération pour nous garder différentes catégories. Ce n'est pas seulement les personnes qui rentrent avec une qualification ou bien un athlète rentrent avec une prime. Ou bien yon moun Miss Dauphine ou bien première Dauphine Miss Universe, il me parle de Mademoiselle Pélissier pour que tout pays a fier. Parce que c'est depuis les moun yon absorti là pour que nous accompagnions. Et puis tout faut gagner des lois tout qui votent sous recommandation commission SCOA. Donc son gros chantier, le Parlement doit être au travail et la Chambre des députés sera au travail. Donc le Parlement à travers ses branches, ces deux branches, bien sûr, que ce soit au Sénat ou au niveau de la Chambre des députés, nous baillons contribution par nous. Mais ça, c'est une contribution symbolique. Il y a une autre contribution que nous baillons, tant que Chita avec le Premier ministre, le Président de la République, là, parce que c'est eux-mêmes pratiquement qui ont implémenté les politiques publiques pour qu'ils accompagnent le sport en général. Donc, c'est vrai, je dis, on a parlé de Mme Sarah qui est qualifiée, mais question problème sport en général, c'est-à-dire football femme. Il faut qu'il y ait plus d'accompagnement, il faut qu'il y ait un terrain pour les petits gens jouer. Football garçon, en tout doux, la nécessité d'une politique publique sportive dans différents budgets qui ont voté autour. Donc, ce n'est pas seulement nous, là, on a recevoir, etc. Mais au niveau budget, il y a pour soumettre là, on peut avoir un budget rectificatif sous peu. Et dans le budget 18-19, là, tout, pour nous garder qui accompagnement nous avons pour que nous vraiment gagnions sport qui marche en Haïti. Président commission femmes avec droits femmes avec équité Jean dans la chambre députée à Gladys Saint-Jean lundi exprimer satisfaction lie après déroulement cérémoniant député Gladys Saint-Jean lundi encourager à mesdames yo continuer bataille pour quota femmes respectées dans tout niveau yo un extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Joseph Quilbridge. Commission conditions féminines et équité de genre dans le Parlement que moi gain honneur pour moi présider et souhaité et de fait organiser commémoration journée 1 et avec participation non seulement bureau chambre députée mais aussi et sélection U20 que nous avons décidé dans chambre députée pour que nous inviter venir et nous avons décerné des plaques d'honneur à eux. Parce que pas oublier que gentil mesdames, c'est le monde qui prend Haïti, qui réinscrit dans l'histoire football là.
Donc c'est moi façon pas nous nous pour nous honorer yo. Et gen yon ensemble femmes aussi qui t'ai participé dans limite pa yo pour permettre que jodi an la Nations Unies t'es capable accepter décréter 8 mars journée et internationale des femmes, donc pour que nous t'es honoré. Donc nous connaissons que Goumen a fait pour respect quota, Goumen a fait pour égalité entre femmes et garçons, l'arrivée établie dans le pays d'Haïti. C'est pour Goumen qui facile, c'est pour Goumen que nous avons un résultat jeudi demain. Mais nous espérons et nous avons Goumen même. Et dans le niveau commission conditions féminines pour que nous arrivions, même si ce n'est pas moi-même qui arrive à joindre l'égalité parfaite, ça, mais pour la génération qui vient, pour petite nous capables de vivre un moment côté que Haïti, ni femmes ni garçons, sont sous même pied d'égalité. Et si nous voulons sortir Haïti dans la situation difficile que l'IA, nous ne pouvons pas avoir le choix. Choix arrêter, c'est aller vers et le respect des droits des femmes, parce que chaque fois dans la société que droit femme garanti, eh ben droit garçon garanti tout, eh ben le ça ou vient mon société qui est à marcher, une société qui a bougé, une société qui peut aller vers le développement et du millénaire, tant que c'est ça nous souhaiter et tout le temps. Mélissa Dacius, une joueuse sélection féminine U20, yo qui te prend la parole dans non-sélection, hein, souhaité joindre accompagnement palmant pour sélection capable d'arriver plus loin. Un extrait dans le micro, Fedna Confident à Kedanius Théodore. Nous sommes contents pour nous devant Chambasta et nous comptons sur le pouvoir nous pour nous faire un plus loin, pour faire bagaille au marché plus bien pour nous. Pour permettre de parler de figurant seulement dans le du monde qui a fait la France. Nous avons un pile volonté et ça passe difficilement. Nous ne pouvons pas nous garder des détails sur besoin de nous. Parole valée, parole comprendre. Et moi, pour c'est pour ça que visite ça pas seulement pour tes belles drapeaux, mais la paix des pile athlètes, un pile équipe Haïti pour tes drapeaux pays au bureau chaque jour. Nous sommes vraiment fiers et nous sommes vraiment contents pour nous avec nous jeudi. Et nous promettons nous que nous continuons à faire sacrifice dans l'entraînement chaque jour. Nous croyons dans l'institution pays. C'est pour ça que nous avons confiance nous, dans mes nous, tant que grand frère nous, papa nous et maman nous. Pour nous capables de défendre cause nous et mettre ensemble tout le monde qui aime espoir dans le pays pour capable aider nous à aller champion dans le mondial. Les techniques de leadership efficaces et sous TEMSA, plateforme paysan en tête collée avec l'initiative Communauté Femmes pour Développement ICOFED, avec l'autre Patneyo, organisé en séminaire formation mercredi 7 mars là. Activité ça réalisée en prélude avec Journée internationale Femmes 8 mars là. En suivant, yon contre-rendu, Rachel Saint-Fort avec Henri Robert Chéry. C'est 120 femmes qui participaient dans le séminaire formation ça. Plateforme paysan avec l'autre partenaire organisé sous leadership féminin jeudi 7 mars là. Activité ça a été occasion pour organisateur boire l'idée avec participants yo sur ça qui ont leader différentes caractéristiques qui ont leader yon façon pour développer sens leadership là ca mesdames yo. Formation c'est base parce que ou pas ka vle pousser femme là pour li aller devant de la scène si que le pa gen un bagage intellectuel si que le pa connaît qui ça va le faire et nous même dans plateforme paysan nous croyons pile dans ça créer les formations donc c'est d'abord former yo et puis ba yo en estime de soi di yo que yo même tout yo ka vinn des femmes leaders yo gen place dans société hein et puis ça yo même avec ça que vous allez inculquer dans tête yon, là y a fait chemin eux-mêmes. C'est à terre qui fait qu'on est femme bien réagir dans activité ça. Souhaiter participants yo partager ça yo apprendre dans séminaire avec l'autre femme dans environnement yo, yon manière pour aider yo jouer rôle pa yo dans développement communauté yo. Nous pas vraiment faire une conférence mais nous fait échange avec eux, on débat. Nous poser aux questions, ils répondent tant que Gayoun qui t'a dit nous pour un leader, faut qu'on capable gain pouvoir de décision, faut qu'on gain capacité pour venir un leader et je pense que après conférence, après débat ça que nous fait à mesdames yo atelier yo, je pense que yo même yo pour faire même impact ça que yo se recevoir dans société côté à travail, dans politique et je pense tout que nous fait parce que nous estimons que normalement quota va respecter même.
et même gens en garçon car un leader ou même en fait tout pas rien rien même pour un leader même gens garçon yo mesdames yo gen place yo dans société responsable plateforme paysan ak initiative communautaire femme pour développement yo ICOFED invité mesdames yo engager yo prendre initiative pour permettre pays à avancer pendant yo profiter occasion pour rappeler mesdames yo yo pas tolérer violence sous aucune forme ni prétexte. L'autre dossier dans le journal là, directeur général Télévision Nationale d'Haïti, Gamal Jules Augustin, Chita Palais, mercredi 7 mars là, avec différents opérateurs, Cap Vente Service TNH, pas CAB. Réunion ça permet Gamal Jules Augustin avec opérateur Sayo discuter sous qualité image, Cap projeté sous écran téléspectateur qui manquait qualité. Une rencontre qui déroulait dans une ambiance amicale, côté opérateur promet pour porter correction d'après directeur TNH là. Représentant qu'on appelle avec directeur technique télévision nationale là, Anthony Auguste, t'es participé dans un concert, y a un extrait dans micro, Esaïe Aurelius avec l'Aurore d'Ali Jean-Jacques. Nous avons une réunion avec vous pour nous parler de qualité d'image de télévision nationale que vous-même vous avez transporté. Assez souvent, nous avons regardé une TV ou que l'image a un petit problème ou bien son va marcher avec l'image, vous pensez que c'est TNH qui est. Le plus souvent, ce n'est pas TNH qui est. Le plus souvent, c'est le monde qui a transporté l'image là, peut-être qu'il y a une mauvaise qualité de production. Okay? Qui fait que l'image a une bonne différence entre l'image avec son. Et je dis à nous même qu'on a brûlé sur le problème. Je dis à nous réunir avec tout opérateur ça, pour nous discuter de qualité image télévision nationale, qualité image qui a tombé en de la caillou. Et c'est une belle réunion de travail pour que nous venons pile solution. Dans les jours à venir, nous allons parler d'amélioration qui fait en de Télé-Haïti, qui est nationale en de Télé-Haïti. Dans les jours à venir, nous allons regarder la qualité télévision nationale a changé dans notre TV. Qualité à tout pas changer dans le canal. Alors, je dis à tout opérateur ça, merci. Merci le fait que vous avez pour matiner ça, vous avez fait avec nous, pour nous analyser le problème là. Vous avez fait un Konatel qui a accompagné nous. Parce que Konatel, c'est lui-même qui gérait les bases à l'OPIA, qui gérait le système de télévision et le système de télécommunication. Et bien, Konatel était là lui-même pour mettre les principes, pour respecter ça qu'il a fait. Encore une fois, c'est la loi haïtienne qui dit Télé Haïti et Télé National, je m'excuse, il est gratis sous boîte. C'est-à-dire toute boîte, ça, tout opérateur dans le pays d'Haïti, supposé avoir comme devoir de transporter des routes. Mais même là, nous gratis, il faut transporter bien, il faut transporter avec qualité. Nous parlons de couverture nationale, parce que avant tout, les gens qui s'est marqué dans une TV, par exemple, une TV, c'est marqué, Télé Haïti au Cap, et une TV au CAI. Sont les gens qui ont CAI à travers une TV. Des chances pour gagner télévision nationale d'Haïti. So, ça fait partie de la couverture nationale là tout. Mais ça, c'est la couverture nationale dans tout business. Parce que pour gagner une TV, il faut payer. Pour gagner canal, ça, il faut payer. Nous-mêmes, nous avons une couverture nationale qui est gratis, chérie tout, qui c'est l'État haïtien. Mais nous-mêmes, nous avons parlé de qualité. Hein. C'est qualité à plus à tout. Depuis la qualité à améliorer, nous avons pris la télévision nationale clair, d'accord. Et même si, peuple haïtien, qualité a changé, c'est le job, nous, c'est le travail nous, pour nous lutter, pour nous faire télévision pays et sous nous avec Pibon Kent. Ministère Affaires étrangères a Kilt lancé mercredi 7 mars la quinzaine francophonie en présence quelques ambassadeurs pays qui parlaient français. Divers thèmes qui ont rapport avec intérêt pays francophonie pendant quinzaine francophonien à débattre d'après ministre Affaires étrangères Antonio Rodriguez. En suivant un reportage, Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. Langue française, trait d'union pour agir. C'est sous thème ça, 15e francophonie a célébré en Haïti, Anissa, sorti 7 pour arriver 20 mars 2018 là. Ministre culture et communication, Limon Toussaint, mettait accent sur l'importance de la langue française dans la formation intellectuelle jeune haïtien. La contribuer dans le développement intellectuel jeunesse haïtienne, qui a formé chaque jour plus, pour offrir plus à la population haïtienne et à tout le reste du monde. Parce que nous ne pouvons jamais arriver dans un pays si nous ne formons pas génération jeunesse qui va venir au niveau intellectuel pour être capable d'exprimer, pour ne pas avoir de limite. D'abord, nous ne devons pas limiter la jeunesse haïtienne. Tout ça de positif qu'on peut apprendre, c'est pour nous offrir au lit et pays et administration Moïse Lafontaine, il est déterminé pour lui porter support par la jeunesse haïtienne dans tout niveau. Et il y a un niveau qui est essentiel là, nous tous nous connaissons, c'est l'éducation qui est la base là, qui permet aux jeunes de vivre autonome. Et nous voulons travailler
pour jeune li capable jeune autonomie et pour ça faut li passer par éducation. 15e francophonie à occasion pour autorité haïtienne yo aborder une série de sujets qui gien à intérêt pays à tant coup question changement climatique là zafè douamoun d'après ministre affaires étrangères à Kula Antonio Rodrigue. Francophonie aujourd'hui c'est pas seulement question de langue et parler français, c'est pas ça. Lié à aborder l'œuvre et agence de la francophonie est devenue transformée en organisation internationale de la francophonie, en organisation internationale. Elle vient pour l'autre dimension, côté toute question qui concerne le monde, toute question qui traverse le monde et l'international, on retrouve là-dedans. On a le problème des droits de l'homme, le problème. Et actuellement, le problème des changements climatiques, le problème de développement et migration, tout ça débat au niveau de francophonie aujourd'hui. Ambassadeur suisse en Haïti, Jean-Luc Michaud, souhaitait autorité haïtienne, jeunes universitaires, manifester plus intérêt pour la langue française, les considérer comme un point positif qui existait dans la culture haïtienne. Non. Je crois que de nouveau, Haïti a beaucoup d'atouts, beaucoup de leviers. Je veux dire, sur le plan littéraire, de la production littéraire, vous êtes un pays phare et qui nourrit la langue française. Que ce soit au niveau de la poésie, je pense qu'Haïti, à l'heure actuelle, elle est vraiment au niveau mondial le phare de la poésie francophone. Et donc ça marque énormément. Ça donne une visibilité extraordinaire et positive de votre pays. Exposition livre, danse, diffusion film pays francophonio, course bicyclette, performance artiste national, cours international, c'est quelques activités qui ont marqué célébration 15e francophonie. Nous arrivons au moment pour nous prendre en pause dans le journal là, pas débranché, Naptonet. L'émission phare de la TN. Journal là à poursuivre, commission spéciale, chambre députée sous amendement constitution, Chita Palais, mercredi 7 mars là, à plusieurs organisations droit monde, en cours centre analyse et recherche droit monde, à réseau national Cap Défendre droit monde, plateforme organisation haïtienne Cap Défendre droit monde. Organisation doit Mounsayo remettre yon aide mémoire by commission. Yon extrait dans micro Fedna Confident ak Moïse Roelbridge. Présence moi à côté député, collègue, commissaire dans commission spéciale sur amendement constitution avec représentant en pile gros organisation Cap Défendre droit monde. C'était pour nous recevoir aujourd'hui officiellement dans mayo proposition que a fait nous sur question amendement constitution. Jodi a nous gagne des représentants du centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme CAD M. Gédéon là à côté nous. Nous gagne le réseau national de défense des droits humains qui présent RNDDH. Nous gagne commission épiscopale nationale justice et paix CJLAP et nous gagne plateforme des organisations haïtiennes des droits humains POHDH. Donc nous recevoir un document nan main yo qui sont aide mémoire qui fixe position sur amendement constitution et qui dit nous exactement comment on voit question amendement qui ça pour mettre qui ça pour retirer, qui ça pour ajouter, qui ça pour corriger. Nous remercions maître et Gédéon Jean pour le travail qu'il a fait dans défendre droit monde dans le pays. Nous remercions toute organisation qui te répond présent, qui te répond à l'invitation pour participer dans l'oumblé ça dans la consultation nationale ça pour que amendement cap venir yo refléter ça qui sorti en notre en dans un travail toute organisation, tout secteur qui gagne dans le pays. N'a rappelé la presse que le 29 mars 2018 c'est date que nous allons remettre deuxième rapport. Deuxième rapport ça intitulé ce que pense la nation. Ça veut dire que c'est une compilation de toutes recommandations, de toutes propositions que nous recevons de tout secteur, une façon pour nous faire bagarre avec transparence pour tout le monde connaît mais ça secteur demandé la question amendement constitution. Et puis dans fin année maman Pemba a venu, maman Pemba et mais ces propositions que nous allons faire sous amendement constitution. Directeur exécutif Centre Analyse et Recherche Droit Monde, Gédéon Jean, exprimé satisfaction lui pour l'esprit ouverti. Commission spéciale sur amendement constitution a gagné. Léo décidé rencontrer tout secteur pour joindre position. M. Gédéon Jean souhaitait commission fait synthèse sur toute proposition. Il y aurait ses voix.
Yon extrait dans le micro Fedner, confident avec Moïse Joseph Wilbridge. Qui ça qui est dans le document? Document d'abord, il y a une portée générale. Côté que nous faisons des considérations sur le processus. Côté que nous estimons que son processus qui entamé d'abord, hein, qui au début, en toute transparence, et que nous félicitons la commission. Hein, côté que qui permet que tout secteur de la vie nationale soit capable de participer à la dynamique. Là, et nous dit aux anciens de travail que nous avons avec eux, nous avons souhaité que dynamique ça continue en ce sens que faut que le processus là fait en toute transparence. Ça, c'est une première considération. Maintenant, en termes de considération générale, toujours, nous essayons de garder portée constitution en matière de droits de l'homme. Parce que nous-mêmes, avant tout, nous sommes des organisations de défense des droits de l'homme. Donc, nous estimons que son constitution qui gagne une dimension importante en matière de droits de l'homme, encore que son constitution qui gagne des faiblesses. Côté que, d'abord, nous demandons pour consolider, pour créer une sorte de noyau dur des droits de l'homme en dans la constitution. Autrement dit, il faut qu'il y ait des droits qui s'imposent à l'État. En termes d'obligation, parce que l'État, c'est le premier détenteur d'obligation en matière de droits de l'homme. Lors de ces amendements, il faudrait créer un noyau dur des droits de l'homme, c'est-à-dire un ensemble de droits qui s'opposent, qui s'imposent même à l'État. Sénateur l'Ouest, là, Antonio Cherami, promet collaboration liée à la Commission Affaires sociales Sénat. Dans le cadre de travail, il y a bien pour faire. Parlementaire promet pour continuer à accompagner moun kap travaille dans factory marchand victime incendie machéo. Yon extrait dans micro Fedner confident à Kedanius Théodore. Je passe jodi a pour me dire moun yo, pour me dire ouvrier, pour me dire moun dans fonction publique là, pour me dire moun qui dans secteur privé en kap travaille, pour me dire moun qui a cotisé dans ona yo, pour me dire même là, on pas président commission affaires sociales encore. Moi tendez criyo et me vinn di yo pas pour compte yo n'a continuer bataille là et m'a profité occasion ça pour me dire commission président commission affaires sociales dans sénat moi rete disponible pour me collaborer avec elle pour dossier ça pour nous joindre suite même l'aime pas dans commission même l'aime pas président encore même rete un sénateur que peuple a voyé là prêt pour me collaborer avec elle pour me balle document pour le travail s'il pas gagné mais n'a continuer bataille pour ça qui pipo vieux parce que c'est yo qui voyé nous là. Et pour jusqu'à ce que nous sortions là, nous avons été cohérents, conséquents, attachés à la revendication. Responsable plateforme haïtien pour renforcement vaccination FAREV annoncé mercredi 7 mars là, une campagne sensibilisation contre maladie diphtérie. Pendant une rencontre qui déroulait dans le local INHSAC, Delma 75, responsable montré nécessité pour population prend vaccin. Contre maladie, diphtérie, ministère de santé publique a réalisé dans le pays. Reportage Falande Delphin. Résultats différentes études qui fait sur campagne vaccination dans le pays montrent qu'il y a 41% de la population selon responsable plateforme haïtienne pour renforcement vaccination qui d'après eux a doué dans 80 à 85%. Campagne vaccination Jean contre diphtérie ministère après le faire a touché 40 communes qui plus vulnérables dans le pays. Responsable Farevio qui conscient de l'impact maladie ça gagne sur Timounio, fait qu'on est important pour faire prévention maladie ça. D'après Dr Paul-André Carunard, guérir maladie diphtérie a coûté plus l'argent par ses préventions. Le ministère de la Santé publique, bon, campagne de vaccination l'a fait contre la maladie que les diphtérie qui a commencé le 11. Et son campagne qui a couvert 9 départements géographiques dans le pays, à l'exception de la Grand'Anse. Et son campagne qui visait 2 millions de Timounio. Pour maladie que les diphtérie, qui ont maladie que vaccin qui a empêché tout le monde faire. Directrice exécutive FAREV, Judith Millien, qui dit plateforme a travaillé côte à côte avec calendrier ministère, fait qu'on est sensibilisation à Nessa a fait pour femmes enceintes. Judith Millien mettait accent sur vaccination complète tout le monde pour éviter de trapper maladie d'un coup de diphtérie qui est dangereux pour santé à croissance tout le monde. Ministère de la Santé publique et ciblé 40 communes dans 9 départements actuellement qui ont remonté poussée de diphtérie et c'est dans 40 communes ça yo ministère de la Santé publique mandé nous pour nous faire plus sensibilisation nous mêmes nous mandé la presse accompagner nous dans sensibilisation ça faut que moun yo connaît pour y aller prendre vaccin parce que diphtérie son bagaille qui grave. OK nous pas ta remé perdre population en pile monde dans population parce que yo gen yon maladie qui évitable par la vaccination. Vaccination concerne tout le monde. Dans ce sens,
Farev lance un appel par la Commission Santé dans le Parlement pour mettre le COP dans le prochain budget pour le ministère faire campagne de vaccination. Pendant que même bon côté pa yo, ap travail pour sensibiliser plus moun nan peyi a sou koze vaksinasyon avant l'année 2025. Dossier éducation, Confédération nationale enseignant d'Haïti, éducation nationale ak formation professionnelle la, Pierre Josué Agénor Cadet travaille sous processus nomination professeur yo et puis payé arriéré salaire yo. Et de l'autre côté, CNEH a fixé position sous grève professeur yo dans diverses écoles publiques dans peyi a. Responsable CNEH là, Jean Lavaux Frédéric, qui est mandé ministre éducation nationale là, Chita Palé, avec syndicat enseignant yo pour arriver joindre une solution dans la crise ça. En suivant extrait d'un micro, Sainte-Croix Paqui avec Hervé Pierre. C'est pour tout le monde perdu une année, c'est dur. Mais pour nous résoudre le problème une fois pour toutes, tout syndicat prêt pour Chita Kajé, parce que nous pas de problème. Payer tout arriéré salaire yo, et pas j'aime faire ça. Améliorer les conditions enseignants qui sont dans la salle de classe, améliorer le fonctionnement assurance santé, ajustement salaire enseignant, avantages sociaux, tant que carte de débit, prime d'éloignement, etc. Direction générale police nationale a présenté mercredi 7 mars là cas arrestation qui fête 21 février. Pour ce mars passé, dans le cadre de lutte contre la criminalité dans quelques départements dans le pays, la porte-parole PNH a renouvelé la détermination pour arrêter tout le monde qui est impliqué dans la criminalité dans le pays. Un extrait dans la déclaration commissaire Franz Lerbourg, porte-parole PNH dans le micro d'Aline Dorival avec Michaud Joseph. La police Gonaïve a arrêté trois individus qui ont fait un attaque à main armée le 1er mars dernier contre. Où on sent mon désir que c'est propriétaire en pharmacie dans la ville. Le 21 février, il y a 7 personnes que la police Gonaïve a arrêtées. Dans l'opération que l'a menée Lester, les gens ont été soupçonnés d'association de malfaiteurs avec trafic de marijuana. Il y a un individu qui a arrêté tout pour assassinat de un chauffeur de 73 ans dans altercation et monsieur blessé tout par balle. Un autre individu qui est Auguste Sénoble. Dans le cadre d'affaire ça, la police Gonaïve a cherché un acolyte activement qui est Jean Will qui était là tout le forfait à exécuté. À Kinskoff, on a des gros problèmes de cambriolage à Kinskoff. La police Kinskoff a arrêté Django, c'est non ça que monsieur gagne. Dans Robin qui c'est une section communale de Kinskoff, deux dans complices liés qui c'est Orly avec Séraphin. Et avec renfort commissariat Thomas, il a arrêté M. Douet, de M. Sarah Douet. Donc M. Sarah va répondre devant le juge. J'ai noté annoncé l'antitio, direction générale police nationale d'Haïti, bayon délai 15 jours au bail tout policier qui démissionnait, qui pas actif, à tout cela qui abandonnait Postio pour remettre ZAM la police là. Porte-parole PNH la France, Lerbourg, fait qu'on est après date ça. DGPNH là a publié Noyo et puis prend l'autre mézi contre policier Sayo. Un extrait d'un micro d'Aline Dorival avec Michel Joseph. Délai de 15 jours, ça c'est pour policiers qui non actifs, qui soient abandonnés ou bien démissionnaires. La police a bailli 15 jours pour remettre toutes armes, tout matériel la police qui est en possession. Passer délai 15 jours, ça, il a considéré yo en infraction à la loi et a publié nous et a engagé des poursuites pénales contre yo pour bagage pour matériel la police qui n'en met parce que il y a des mesures administratives qui font une obligation pour remettre matériel la police qui n'en met aussitôt que ou pas dans la police encore pour les non actifs nous on est question capable venir les non actifs li capable un monde qui est important qui non actif qui pas servir la police. Normalement, vous n'avez pas dû disposer de armes la police là non mais nous ça surtout à rapporter s'il y a des considérations particulières qu'a fait dans Kayoa et l'a fait mais il faut que ni non actif ni démissionnaire ni monde qui a abandonné remettre armes sans délai et alors 15 jours dans 15 jours passer délai ça pas de considération. Direction départementale l'Ouest, police nationale d'Haïti organisée mercredi 7 mars là, dernière réunion mensuelle commandement lit avec participation plusieurs commissaires.
chef service ak représentant Minijust. Nan occasion an DDO ak Sipo Minijust prend décision mette sous pied yon plan formation pour renforcer capacité akay nan commissariat yo pendant yo bral renforcer logistique yo nan sans ça d'après directeur départemental l'Ouest PNH la Berson Soljour yon extrait nan micro TNH. De concert avec homologue nous de la Minijust d'un plan de formation qui a pas exécuté très bientôt de formation que nous allons bail pour capable renforcer capacité d'accueil dans le commissariat et puis amélioration de la logistique pour que nous capable c'est-à-dire recevoir population qui nous-mêmes approche là son approche comme nous utilisons dans le secteur privé nous connaît population d'adresse comme client c'est l'une là pour nous servir donc pour nous capable vraiment un service d'accueil digne de ce nom pour nous capable accueillir les populations très bien donc c'est dans ensemble de responsabilités de mesures qui ont été prises donc c'était l'occasion pour nous être capable de faire le tour et pour nous être capable de comprendre avancer aux difficultés qui gagnent et pour nous être capable de porter amélioration. Et réunion ça tout le visé après réunion de commandement que directeur général là a été fait avec tout le directeur départemental pour nous être capable vraiment transmettre toute décision que le commandement prend. Et une des choses qui était important pour nous c'est déploiement des nouveaux policiers de la 21e promotion qui de la voie publique pour permettre que nous capables vraiment servir population. L'autre point dans journal là, étudiants université pastorale organisé mercredi 7 mars là, il y a un journal soins de beauté pour jeunes filles qui dans université ça. Activité ça a réalisé avant célébration journée mondiale Famio demain 8 mars là, d'après coordonnatrice générale pastorale université A. Nagela Vilma, initiative ça, rentrer dans quatre démarches université a mené pour mettre en valeur l'esprit tête ensemble qui gagnait dans mi-temps famille. En suivant extrait. D'habitude, les journées ça, on a toujours une série de plaques ou bien certificats avec un ensemble de filles. Mais nous-mêmes, je dis, nous choisissons l'autre catégorie qui est la catégorie universitaire. Là. Parce que pastoral universitaire, il n'est pas une université, mais c'est un espace côté qui regroupe toute université, capable de dire qu'il est dans la zone métropolitaine, non, depuis que nous avons accès pour rentrer, soit venir faire recherche, venir participer dans le débat, venir dans une commission nous gagne qui travaille dans le pastoral. Mais je dis, nous-mêmes, nous avons choisi honorer le secteur ça. Nous capables de dire, au lieu de nous bailler un certificat ou bien nous bailler un plaque d'honneur, donc nous choisissons offrir, mesdames universitaires, nous servir ça, je dis. Tout le monde nous est capé, café zone, yo c'est universitaire, mais après ça, l'autre monde nous gagne, yo c'est nous capables de se responsable studio. Dans l'idée pour marquer journée mondiale Femme, jeudi 8 mars là, espace Femme réalisé yon huitaine sensibilisation sous la vie mesdames yo dans le pays d'Haïti. Femme haïtienne avec prostitution, c'est thème qui débat journée mercredi 7 mars là. Dans l'occasion, intervenant yo parler sous situation qui cause mesdames yo la guerre dans prostitution et puis fait quelques recommandations pour empêcher phénomène ça. Reportage Rodney d'Orléans avec Jordani Bozil. Une sensibilisation sous la vie femme dans le pays d'Haïti, c'est une initiative espace femme réalisée dans l'objectif pour sensibiliser mesdames yo sous l'effort qu'elles doivent faire pour jouer rôle yo sans problème dans la société ça. Activité ça, c'est occasion tout pour mesdames qui font partie de l'organisation ça, parler sous affaire comportement mais c'est au droit gagner dans façon y a traiter mesdames yo. Gon paquet de bonne bagaille thème qui a fait tabou dans société en femme yo ta ramé connait qui droit et devoir yo. Qui comment yo ka corré propre tête par yo. C'est ça fait nous venir avec initiative ça. Ça veut dire nous gon thème qui central c'est la société haïtienne et la femme la vie des femmes haïtiennes. Ça veut dire nous te choisi thème ça c'est pour nous ka faire mesdames yo mettre tête yo ensemble pour apprendre corré propre tête par yo. C'est pas seulement comme si jouy ma sans pour connait mesdames en fait bon paquet de bonnes bagages non t'en a connait mesdames pas de gain droit à l'église à l'éducation mais il commence à changer ça veut dire espace femme voulait gon l'autre amélioration plus dans société dans souci pour toucher divers problèmes mesdames yo a fait face dans société haïtienne là
Espace Femmes choisit de traiter chaque jour pendant 8 ans de sensibilisation ça, un thème différent. Prostitution et femme haïtienne, c'est un thème qui est marqué 7e jour activité ça. Oje Lakalix, c'est un parmi les intervenants qui a parlé sous cause et conséquences phénomène prostitution dans le pays. En fait, nous avons identifié la misère, et la pauvreté et puis le chômage comme cause qui ont fait que mesdames yo elles font prostitution. Bien que gain qui ont fait choix, sans que ce n'est pas un problème comme, mais nous avons centré ni définition ni cause, nous avons centré sur le chômage et puis problème comme que le monde s'en rend gain pour subvenir à besoin, obligé de tomber dans la prostitution. Comme conséquence psychologique, logique nous te ouais que a un manque d'estime de soi bien perte d'estime de soi nous te ouais un sentiment de culpabilité nous te ouais tout comment que mesdames ça yo kon tombé dans dépression et comme conséquence physique nous te ouais des maladies sexuellement transmissibles des IST nous te ouais tout rejet et nous te ouais tout mesdames ça yo qui kan perd du sommeil yo. Et comme conséquence sociale, nous avons que parfois yo tombé dans l'isolement et puis proche et quand mettait étiquette sur quand stigmatisé. Yon l'autre bord, responsable protection femme actifi dans office protection citoyen fait quelques recommandations pour empêcher mesdames yo la gekoyo dans prostitution. L'État doit créer des activités génératrices de revenus pour mesdames Sayo, création d'emplois tout. Et nous devons former mesdames Sayo, yo gain accès à services de santé, aux services de base, même gens, l'autre monde gain droit à yo. C'est demain 8 mars là, 8 ans de sensibilisation à privé dans Boutli. Kilti haïtienne, femme et harcèlement sexuel, c'est sujet qui a bien pour agiter des bayo dans l'hôtel El Rancho. Dans 8e et puis dernière journée activité ça. Nous allons observer une autre pause publicité n'a retourné dans un petit moment. Nous allons faire un coup de pied dans l'actualité internationale là, conseiller économique président Donald Trump lan Gary Cohn remet démission le mardi 6 mars là. Gary Cohn remet démission après annonce président américain sous importance taxe acier et aluminium en suivant. Conseil économique Maison Blanche Gary Cohn présenté démission le mardi 6 mars là. Gary Cohn 57 l'année, c'est un ancien banquier Goldman Sachs, les remettre démission parce qu'il pas d'accord avec décision Donald Trump imposée sous taxe pour importation acier et aluminium. Président a répété intention pour augmenter tarifs douaniers dans cadre conférence de presse mardi 6 mars là dans occasion visite premier ministre suédois. Gary Cohn pas de présent dans conférence ça. Gary Cohn te rassure marché yon politique économique libérale qui favorable pour entreprise yo. Objectif li c'était faire adopter une réforme fiscale. Finalement réforme ça t'est promulguée dans mois décembre là. Ça qui t'est fait passer 35% à 21% impôt sur société yo. Cependant il t'est fait responsable entreprise yo joindre l'autre pour rapatrier à un taux favorable gros réserve l'argent qui dans filiale yo gagne dans pays étranger. Donald Trump te fait appel à Gary Cohn depuis investit-il, yo reconnaître li plus comme un sympathisant démocrate que républicain. Conseil sécurité ONU en réuni mercredi 7 mars là sur situation Ghouta Oriental là dans pays Syrie, ONU mandé pour faciliter aide l'arrivée dans région ça en suivre. C'est un objectif pour parler sous situation difficile Ghouta Oriental à traverser. Conseil sécurité ONU réuni mercredi 7 mars là. D'après l'Observatoire de la monde syrien, il y a une vingtaine de personnes qui ont des problèmes pour respirer dans l'amorier, ce qui pousse l'ONU à demander pour faciliter l'aide humanitaire à rejoindre la population. Il y a un déploiement d'aide qui doit aller depuis Ayamadia, mais ça n'a pas arrivé fait. Il y a un processus pour camper Batala dans le pays Syrie qui a été voté le 24 février passé, côté il y a demandé pour respecter la trêve depuis la Russie, spécialement dans la région Ghouta. Président américain Donald Trump paraît pour un dialogue sincère avec Pyongyang. Président Trump salue organisation sommet entre deux Coréens. En suivre. Président américain accueille positivement le nouvel sommet intercoréen. Il profite de saluer le signe ouverture Kim Jong-un qui dit qu'il paraît pour parler sous question de dénucléarisation à condition si sécurité régime la garantie.
Donald Trump a profité d'exprimer ce dossier ça pendant la visite Premier ministre suédois. Je pense que les déclarations venues du Sud comme du Nord sont très positives. Nous avons été loin sur le plan rhétorique avec la Corée du Nord. Ce serait bien pour le monde, ce serait bien pour la Corée du Nord, bien pour la péninsule, mais nous verrons ce qui va se passer. Sommet entre deux Coréens a bien pour fête dans fin mois avril là, dans la zone démilitarisée. Pour la Chine et les Nations Unies, c'est une opportunité pour deux pays. Quelques temps après conférence pour la presse là, Washington a annoncé plusieurs nouvelles sanctions économiques contre le régime nord-coréen. À cause de éliminer Kim Jong-un pendant qu'il a utilisé un agent néotoxique classé comme une arme de destruction massive. N'a pas retourné la caille, direction départementale l'Ouest, police nationale d'Haïti a arrêté 14 personnes dans Pétionville pour agression physique sur un diplomate américain à qui un commissaire principal police. Pendant une conférence pour la presse, DDO présenté mercredi 7 mars là, dans tête collée avec secrétaire d'État sécurité publique là, Léon Ronsard Saint-Cyr, commissaire gouvernement Port-au-Prince-Lan, Oknam Klamé Damaeus, autorité yo fait qu'on est. Individu sa yo te utilisé manchette à caoutchouc pour faire agression yo. Yon l'autre bord, la police a arrêté yon moun pour vol exam ak plusieurs l'autre pour voler cap kase kay ak business. Commissaire gouvernement Port-au-Prince-Lan, Oknam Klamé Damaeus, nan miko TNH. Après, il dit que toute la presse est au courant, mais c'est sur le plus haut niveau de l'État et même certains moun dans la population étaient au courant qu'il y a gagné un diplomate américain qui t'a circulé dans la zone Colette Pétionville qui était agressé par un ensemble d'individus. Donc sur le champ, une fois qu'on était informé, contact est fait, moi-même DDO sécurité publique commissariat Pétionville que nous devons remercier pour l'effort qu'ils ont fait, et bien nous arrivé à appréhender 14 personnes et c'est des nègres qui étaient gagnés des armes blanches dans main yo qui te gagné des caoutchouc dans main yo. Maintenant qui ça yo dit il a fait des revendications pour route. Maintenant ça yo besoin qu'on ait au capable gain une revendication qui juste, mais forme qu'on fait là vienne transformer dans ça capable reler un acte de violence et qu'en reler violence criminelle. Donc c'est une façon tout nous même pour nous dire rapidement, quel que soit diplomate qui présent sur territoire, même j'en nous gain responsabilité pour nous sécuriser, protéger citoyens yo, et bien étrangers qui dans pays à tout, faut que gagner protection. Et une fois que ou attaquer des citoyens paisibles ou attaquer des diplomates qui dans pays a, ou gagner pour payer parce qu'on va le juger devant la justice. Nous gagner un commissaire par exemple de police, commissaire principal de police qui c'est commissaire Chapner. Un commissaire principal cap rivé côté que monsieur yo a fait mouvement yo, monsieur pas peu malgré l'identifier, il arrive à agresser. Or l'on rivé dans niveau pas agresser des autorités, donc laisse ça ou presque rivé dans situation côté que quand même qualifié de acte terroriste parce qu'on pas gain droit attaquer des autorités non pays qui placé pour bon ou même sécurité. Nous gagné tout yon arrestation que nous fait qui apparaît tout vraiment des faits étonnants. Yon individu, Jérélé Estilin Eddy, c'est un cap opéré, cap fait vol à main armée dans Port-au-Prince. Et monsieur qui ça le fait, mes amis, nous jouons sous lui. Comment monsieur opéré? Monsieur habite juste Williamson. Il vient opérer Port-au-Prince pendant la journée et puis le soir. Monsieur Aldomé Williamson. Nous gagnons dans menou là un ensemble de monde que nous arrêté, c'est monsieur Sayo, nous prenons yo pour vol de nuit et vol avec effraction. Son ensemble de nèg qui amusé yo surtout dans zone Thomasin Keskov, c'est aller identifier la caï moun, identifier pendant la journée et puis les soirs vini, maîtriser gardien et puis entrer par effraction, craser porte et puis pour voler à l'intérieur des Caïmounes. Secrétaire d'État à sécurité publique là, Léon Ronsard Saint-Cyr a renouvelé engagement li pour bataille contre insécurité dans le pays. L'étape menée, Léon Ronsard Saint-Cyr dans sens ça encourager la population à accompagner la police nationale d'Haïti.
Notre travail l'a fait pour assurer sécurité tout le monde. Extrait dans le micro TNH. C'est tout l'État qui est engagé dans la bataille pour la sécurité. Il est important pour nous souligner que le rôle nous, c'est communiquer, faire la population comprendre ce qu'a fait, ce qu'on a fait pour lui. Et nous devons demander tous les amis de la presse tout pour faire passer ce message là. Pour la population continuer à accompagner la police pour faire ça l'affaire. Parce que comme je l'ai toujours dit, la police a plusieurs façons de travailler. Il y a présence et patrouille policière, mais il y a une équipe qui travaille dans le renseignement et l'investigation. Et ça fait, nous pouvons montrer nous des gens qui n'arrêtent pas là et qui s'en arrêtent. Parce que la police a tout travail pour la faire. Il est important pour nous dire que nous ne pouvons jamais camper. Chaque période vient à un plan et nous tout annoncer là tout. Que d'ici peu, nous allons relancer une question de trafic moto. Donc, que le chauffeur taxi, je vous conseille de continuer à enrichir la mairie. Parce que cette fois-ci, on date avec un prix très très bas. De ça, nous ne pouvons pas faire back encore. Nous ne pouvons pas presser pour avoir un problème. Nous avons fini à rencontrer que nous faisons. Nous allons tourner parce que chaque époque, nous avons un programme et nous avons avancé. Donc c'est l'État au plus haut niveau qui m'a instruction, ou non, c'est information, balle sécurité. Et c'est là, je ne dois pas mourir. Avant nous aller mais grand titio dans l'idée pour renforcer production d'iri dans vallée la Tibonite lan coordonnateur caravane changement ancien ministre Thomas Jacques qui était gain akli directeur général ministère agriculture Branly Eugène lancé mardi 6 mars là combite dans localité Kova deuxième section communale Verette programme ça rentré dans cadre caravane changement. Bureau Chambre député a honoré plusieurs femmes avec sélection féminine U20 à l'occasion Journée internationale Femmio. Chambre député a promet 1,5 million goudes pour sélection 1 avec un smartphone pour chaque joueuse. Commission spéciale Chambre député sous amendement constitution en Chita Palais mercredi 7 mars là avec plusieurs organisations droit moun dans cadre travail sous passé main qui t'a de fait dans maman loi pays. Direction générale de la police nationale d'Haïti bayon délai 15 jours pour tout policier qui démissionnait qui pas actif à tout cela qui abandonnait postio pour remettre zam la police là d'après porte-parole PNH là France Lerbeau après date ça DGPNH là a publié noyo et puis prend l'autre musique contio. Quinzaine francophonien lancé jeudi à Port-au-Prince en présence quelques ambassadeurs pays qui parlaient français. Divers thèmes qui ont rapport avec l'intérêt général pays francophonio à débattre pendant quinzaine francophonien d'après ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue. Directeur général Télévision nationale d'Haïti, Gamal Jules Augustin, Chita Palais mercredi 7 mars là avec différents opérateurs Cap Van Service Télévision PACAB. Qualité image qui rivait joindre téléspectatrices avec téléspectateurs tenamitant discussion. Actualité à l'autre bord de l'eau, président américain Donald Trump dit qu'il paraît pour dialoguer à Pyongyang. Et l'autre bord, président Trump s'allie organisation au sommet entre deux Corées. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. Nous souhaitons tout le monde passer une bonne nuit pendant après branché télévision pour la télévision nationale d'Haïti.